Décision Plus est au service des... Décision Plus est au service des investisseurs boursiers depuis 1987, au tout début de l'autonomie boursière. Notre logiciel de graphique Market Vision Plus et notre logiciel de code dynamique Trader Plus en ont fait sa renommée. Nous sommes encore ici parce que nous évoluons sans cesse et que nous servons bien nos clients. Découvrez nos produits et services spécialement conçus pour l'investisseur actif et autonome dans la boutique Décision Plus. Le logiciel de graphique Market Vision Plus est en français. C'est le logiciel le plus utilisé par les investisseurs de chez nous. C'est lui que vous voyez dans le feu de l'action. Trouvez, classez et analysez plus facilement avec cet outil sans pareil pour suivre la bourse et prendre les meilleures décisions. Gardez vos titres à l'œil avec Market Vision Plus. Consultez la boutique Décision Plus pour en faire l'essai pendant 10 jours sans aucun frais. C'est garanti. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêts à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus. Bonjour tout le monde, bienvenue dans le feu de l'action. OK, désolé pour le retard, j'ai eu de la misère à faire partir le stream, et ça a pris l'assistance de mon expert, parce que j'y arrivais pas, ça a pris quelques fois, plusieurs petites patentes, puis là, finalement, ça a fonctionné. Il y a un petit glitch quelque part, là, le mercredi, je sais pas pourquoi. Bon. Ça fait qu'on a eu une petite poussée sur les marchés là, à 11h10, à peu près tout en même temps. Pourtant, il n'y avait pas d'informations réellement qui est sortie à cette heure-là. Les informations qu'on a eues, c'était toutes à 10h puis à 10h30, c'était le pétrole. Puis en plus de ça, le pétrole est sorti... Moins 3 millions de barils, donc ça aurait dû faire monter le pétrole, puis le pétrole n'a pas monté, il a descendu. Mais en fait, à 10h30, il a monté, puis à 11h, il est redescendu, comme s'il y avait eu d'autres choses à 11h15 ou 11h30. Fait que j'ai pas trop compris l'affaire. En tout cas, le gaz est à zéro, il était en baisse ce matin, il a rebondi, puis là, le USO était en hausse, puis lui, il a rechuté, puis il est en train de rechuter encore aussi. C'est qu'on se pose toujours la même question. Ce matin, c'était pas clair encore. C'était grâce aux ressources que le petit rebond il continuait parce que le l'argent était en hausse, l'or était en hausse, le pétrole était en hausse, les mines étaient en hausse, puis le dollar américain était en baisse, donc tout coïncidait. Même l'uranium aussi était en hausse. Puis là, ben Il reste plus grand-chose là-dedans. L'or s'en va à zéro. L'argent vient de traverser négatif. Puis les marchés bien, sont toujours restés sur cette petite hausse-là. Fait qu'on va commencer par les graphiques quotidiens pour voir. Parce qu'on se ramasse. En tout cas,
Ça s'améliore, là, la situation. On est suracheté partout, là, dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs, on est au bas de la correction, excepté le pétrole et le gaz. Puis, comme vous voyez, Nasdaq, là, c'est sa deuxième journée de côté. Donc, le support se solidifie de ce côté-là. Sur le Dow, ben, c'est la première journée de côté. Hier, c'était pas fini. On n'a pas vraiment revenu encore au support, puis on est suracheté ici aussi. Les volumes sont très faibles, de toute façon, de ce temps-ci, depuis une petite secousse aussi. Donc, sur le Dow, c'est pareil. DIA puis le Dow font la même chose, là. Puis le SPY aussi. Donc, c'est vraiment notre première journée égale à l'autre journée d'hier en situation survendue. Donc, j'ai commencé à dire ce matin un quart, une demi-position. Là, on peut parler d'une demi-position ici et là sur différents secteurs, pas trop de secteurs, puis pas trop de positions. Je vais faire tout le tour de ça. Là. On va regarder un peu les nouvelles. Les commandes de biens durables au mois de juillet, là, un dixième de plus, c'était rien. Les ventes de domiciles en attente, en juillet, c'était. Ils s'attendaient à moins 4, ils ont eu plus 1. Pourcent des ventes de domiciles en attente. Puis ça n'a pas fait grand-chose à cette heure-là. Puis les inventaires de pétrole, bon, on vient d'en parler. Ça fait qu'on va passer à travers notre stock à nouvelles. SPRC annonce des résultats positifs pour le traitement pour la dépendance à la cocaïne. Il a fait un petit mouvement ce matin. À l'ouverture, ça s'est passé en pré-ouverture. À l'ouverture, on a fait une 21,5. Là, pour l'instant, c'est tranquille. On va voir. Il pourrait rester quelque chose pour un peu plus tard. Mais comme vous voyez, c'est un titre qui fait souvent des faux décollages. Malgré son gros volume de ce matin, ça ressemble encore à la même affaire. Drogue, celle-là, c'est une autre bizarrerie. Puisque le titre, il fait un placement. Donc, ils émettent des actions. Donc, ils émettent pour 4 millions en actions. C'est 2 858 000 à 1,40 $. Le titre a monté là-dessus. Bon, ça c'en est une bizarrerie. Il a fait deux cycles haussiers, puis là, c'est reviré de bord. Il est très actif aussi de ce temps-là. Je ne sais pas qu'est-ce que le monde a vu de positif là-dedans, mais pour l'instant, en tout cas, c'est terminé. Bed Bath & Beyond, eux autres, ils se sont trouvés de l'argent d'après le Wall Street pour renforcer leur bilan financier. Là aussi, ça s'est passé en hors séance. Et puis, il y a eu un mouvement par après de 10 %. Puis là, ben, on est tout reperdu. Ben, pas tout reperdu. Là, il reste encore le gain qu'il y a eu en pré-séance. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'autres mouvements. Birds Global aussi, il y a eu un petit mouvement après l'ouverture, qui est un leader de transport électrique qui obtient des extensions de permis pour s'étendre dans des nouvelles villes américaines, qui disent, encore une fois, là aussi, c'est pas mal un champion de faux signaux, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a marché là-dedans dans les derniers mois. Puis il y a Farfetch, FTCH, c'est Richmond, Farfetch et Alibaba, cimentant un partenariat pour faire avancer la digitalisation de l'industrie du luxe. Là. Il n'y a rien à comprendre dans ça. Lui, il a fait un petit mouvement neutre. Après, il a fait un autre mouvement, 9,10, 9,90. Donc, c'est quasiment 10 %. Puis là, on est sur le top. Puis après, il y a Peloton qui est sur son top aussi. Ils ont fait un partenariat avec Amazon dans le but d'élargir sa clientèle et vendre plus de produits aux États-Unis. Puis le directeur commercial, il a dit que la société se tournait vers d'autres détaillants pour des offres similaires afin d'étendre sa portée. Et puis, après ça, il y a Polestar, qui est un fabricant de véhicules électriques, qui s'est accoquiné avec une petite compagnie de croissance, là, qui a même pas fait de trade aujourd'hui. Ça dit que Polestar fournira des batteries pour les bateaux électriques. Puis, Candela, C-A-N-D, sur Venture, il affirme que l'accord lui permet d'exploiter la technologie de pointe des batteries automobiles et d'augmenter la production. OK, mais la compagnie ne se transige même pas, puis c'est tout le temps des peanuts.
J'ai pas passé grand-chose dans ça depuis que la compagnie existe. Ça fait que je vois pas le gros deal qu'il y a eu là-dedans. Mais les compagnies de batterie sont toutes en hausse de ce temps-là. On dirait que les compagnies d'auto-électrique veulent toutes s'acoquiner avec une compagnie de batterie en particulier, ou les acquérir un des deux. Puis ça, c'est un... attends un peu, la nouvelle, je ne l'ai pas, mais je vais la rentrer. C'est ENVX. X sur Nasdaq. Est ici. Oups. Bon, c'est quoi sa nouvelle? Il a annoncé aujourd'hui que Patrick Donnelly, vice-président développement stratégique des affaires, prendra la parole au Battery Show et Electric Vehicle Technology Expo au Michigan. Eh bien, ça fait monter une compagnie de 13 % ça, parce qu'il va prendre la parole dans un show. Pas pire. Et puis, il a fait quand même plusieurs choses ce matin. 21, 25, 24, 25, c'est 3 piastres, c'est à peu près du 15, quasiment 15 %. Ça dit 13, ouais, c'est à peu près ça, 13. Elle n'était pas dans mon tableau. Je vais quand même le rentrer ici, parce qu'il y en a qui sont plates. C'est AND, je vais enlever ça de là. Là. ENVX. Oh, sur Nasdaq. Tiens, voilà. On a mis celui-là là. Bon, c'est terminé pour les nouvelles. OK. Puis dans mon tableau, bien, j'ai d'autres affaires. Là. J'en avais d'autres, mais qui ont pas fait grand-chose par après. Là. Paul Estor, en fait, il a fait 10 cents. Il y avait Imperial Metal ce matin aussi, mais il n'a rien fait. Sophie, ça s'est tout fait hors séance. Amazon est en hausse d'une pièce et demie sur 135 piastres. Fait que c'est rien de super extraordinaire. Ça fait qu'on va faire le tour, le côté technique, là, pour regarder l'état de chacun de nos secteurs. Bon, premièrement, le pétrole, qui était en hausse ce matin, qui n'est plus en hausse, qui reste bloqué à sa résistance. Pour l'instant, je ne vois rien d'intéressant là. Et puis le gaz, qui était en correction hier, il rebondit, mais il reste dans une formation complètement neutre. Ça fait que du côté des pétrolières, c'est des très petites hausses qu'on peut voir, là, mais rien de solide, pas vraiment de beau cycle. Dans l'uranium, on a eu un mouvement de URA, mais c'est aussi de Cameco. Attends un peu, j'ai URA, ça c'est LAM, l'aramide, qui est monté à sa résistance, donc il n'y a plus de potentiel à court terme. C'est le même mouvement sur Cameco qui s'est arrêté là à sa résistance. Ça fait que c'est tout ça qui a été le mouvement d'uranium, mais on voit le même phénomène partout. Regarde, dans UR Énergie, pareil comme Cameco puis l'aramide. Forcis, bon, il n'est pas monté aussi loin que les autres. Il y aurait un potentiel d'à peu près 10-11 cents. Puis Energy Fuel, il a fait la même chose que les autres. Vous voyez, c'est un mouvement de secteur égal partout. Dans l'or. Bon, l'or végète à son top, là. C'est sa deuxième journée de côté, donc il n'y a aucune progression dans l'or. Mais c'est-à-dire, c'est... Voyons, je me mélange tout le temps. C'est le dollar américain que je m'habitue pas. Je l'ai mis en premier. Donc, le dollar américain est sur son top, puis végète. Puis donc, l'or, elle est sur son creux, puis elle végète aussi. Elle essaye de se construire un support, mais c'est rien de très solide. En tout cas, faut pas prendre une grosse position là-dedans. Dans l'argent, c'est pareil. Une petite position de côté, c'est-à-dire un petit mouvement neutre, là, c'est ce qu'on retrouve à peu près partout. La seule affaire qui a été plus forte, ça a été les batteries. Donc, les minières sont à côté aussi à leur résistance, ça ne veut pas traverser. Hot Bay qui fait ça, FM qui s'essaye mais qui ne décolle pas. First Quantum, attends, on était, il faut que j'aille quelque part dans un 15 secondes, ouais, c'est ça, on était sur un top, on est encore sur un top. Tech, on était sur un top hier, je disais que ça ne montrait plus, que c'était pour redescendre à 45$ avant d'aller à 47$, puis c'est exactement ça qui est arrivé.
Puis regarde, le CIA aussi, il n'a pas continué son mouvement. Il était sur le haut d'un couloir. Il y a LIF, puis tout ça. Puis c'est Turquoise. Turquoise qui a bien monté ce matin, il se fait acheter par Rio Tinto. Ça fait qu'il a jumpé là, puis il va rester là. Tout simplement, c'est une acquisition. Bon, la consommation discrétionnaire, on a un petit rebond. Qui est-ce qui fait ça? C'est Magna, qui est toujours en tendance baissière, puis qui inverse à peine son cycle baissier. Fait que ça se ressemble partout. Là. C'est tous des mouvements qui n'ont pas de force. La consommation de base, elle reste en correction. Les télécoms restent en correction. Les services financiers continuent leur correction. Regarde les banques. Regardez la Banque Royale qui est en chute depuis sa quatrième journée. TD aussi, la Banque Scotia qui est en chute, quatrième journée. La BMO, c'est pareil. CWB, la même chose. La Banque Laurentienne. Où est-ce qu'il était? Elle était la deuxième, la Banque Nationale. Elle va être en baisse. Ouais, c'est elle là, qui est la moins en baisse. Intact Financial, c'est un petit rebond, mais ça ne change pas le cycle baissier. Donc, c'est bien, bien tranquille dans les compagnies d'assurance. Les industriels, on construit à peine un petit support là, sur CP, sur CN. Je vous dis que c'est pas fort. J'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de solidité que ça. Ça fait qu'on se tient au minimum là, sur les achats sur support. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le faire, mais il ne faudrait pas exagérer parce qu'il y a quand même, j'ai un doute de la manière dont les choses se passent. Semi-conducteurs, c'est complètement flat, c'est-à-dire service aux collectivités. La santé, petit rebond de rien ce matin. Un peu partout, c'est surtout le pote là, qui fait ça. Les techs, regardez le petit rebond de rien. C'est ça que j'essaie d'expliquer, que Colin, que je vous dis que c'est pas fort. Puis c'est Shopify, c'est certain, c'est lui qui fait ça, ici. Après ça, les autres aussi. Toi, c'est un mouvement qui est comme répandu à peu près partout, sur tous les secteurs, sur tous les titres. Bon, là, c'est les autos électriques. Un petit peu plus solide, le rebond dans les autos électriques. Tesla, qui s'en retourne sur sa résistance. Polestar, qui avait une nouvelle là-dessus ce matin, là, qui sont coquinés avec la petite compagnie de Venture qui vaut 2 cents. Là. Puis après ça, bon, ben, on voit là, ce genre de rebond-là un peu partout. Donc, Lucid. Je vais les mettre en 30 minutes. Bon. Lucid qui a fait l'inversement de sa tendance, puis là, ben, qui est à côté à la résistance. Donc là, il n'y a pas d'autre point d'entrée avant 17$ pour Lucid. Pour Ride, c'est 2$ et 20. Pour Frisker, c'est 8,90. Mais ça manque de force. Nicolas, ce serait 6,20. Workhorse, ce serait 3,60$ au-dessus de la résistance. Helion, HYLN, 3,95. ELI, ce serait 30,30. NIO, ce serait 19,30. XPEB, c'est facile à compter. Ce serait 20$. Rivian, ce serait 34$. Les mouvements sont tous identiques. On pourrait les superposer. C'est juste les prix qui ne sont pas pareils. Ford a donné un coup plus fort, puis GM aussi. En fait, c'est les grosses américaines qui ont montré le plus de force, mais là, il n'y a plus de place pour GM qui est rendu à sa résistance. Puis Ford, il y aurait peut-être $1. Ouais, un 15,70 à 16,70. OK, on change de trail d'un batterie. OK, d'après le ETF, ça ne bouge pas tellement, mais j'ai vu du mouvement quelque part. Bon, c'est le même scénario ici aussi. Le rebond paraît fort, mais regardez, il est arrêté là. Ça a été des coups, ça pourrait être des feux de paille, cette affaire-là.
Donc, charge point, ce serait 16$, environ 15,90. Outster, ce serait 1,60. Romeo, qui a été acheté, de toute façon, ce serait 69, là, mais Blink, ce serait 23,5$. Plug, qui vient de finir son mouvement de rebond après avoir inversé sa tendance et sa résistance, mais là, il est essoufflé. C'est que ça prendrait une pause là, puis un autre décollage qui passerait les 8,25. Ballard, c'est pareil, c'est les deux plus populaires. C'est qu'ils ont monté un peu plus que les autres après avoir traversé leur résistance. Là, pour l'instant, ils sont comme en pause. QuantumScape, ça c'est pareil, on a atteint la résistance, mais le prochain décollage, 11,75. Je vous dis, ça se ressemble partout. Les aériennes aussi, ils ont inversé leur tendance, ils n'ont pas inversé leur résistance. Je regarde les canadiennes, c'est tout pareil. Gallo, Next, ça commencerait à 68$. Air Canada, il a fait déjà un bon petit bout. Il a déjà, bof, je pense que l'élastique était tiré un peu là, pour l'instant. Ça va y prendre une pause suivie d'un autre décollage. Bon, les Américaines, ça ne traverse pas les résistances, JetBlue non plus. Donc, c'est un petit mouvement qui manque vraiment un push plus solide là-dessus. Regardez, 14,30 pour American Airlines, Delta Airlines, 33,75, les points d'entrée. LUV, 38,25. United Airlines, 38. 45,75 à Alaskan Airlines. Gol, il n'y a plus de place, il est rendu à sa résistance. Vous voyez, c'est un rebond-là là, qu'on travaille toujours dessus à essayer de voir. Là. Il nous manque encore un autre petit mouvement. Il y a un marché qui est peureux. Là. Un marché moumoune. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Bon, là, le pot, OK, regardez le mouvement du pot, c'est comme un mouvement, c'est un gros support à très court terme pour avoir un peu de place. Neptune, c'est fini, il est en correction. C'est son nouveau point d'entrée, ce serait pas avant 3,40$. Oui, il a fait un feu de paille comme il fait très souvent. Il a fait, même dans les dernières semaines, à plusieurs reprises. Des fois, ça ne tient pas. Là, il va s'arrêter là. Il y aurait un potentiel de 5,25 à 5,60 plus tard. Tilray aussi, il a fini. Il a, comme, après la pause qu'il y a là, il faudrait qu'il traverse les 5$. ACB, il faudrait qu'il traverse les 2,08$. Fait que ça se ressemble. Ça te ressemble partout. Le lithium aussi, on travaille à la construction d'un support. Pas le lithium, les bitcoins, je veux dire. Bon, BTBT qui pourrait. Tu vois qu'on est partout, on est sur le bord. Il manquerait une poussée là, une poussée plus claire que ça. Ça fait que pour l'instant, là, regarde, je bloquerais ça à une demi-position. Quasiment sur n'importe quel secteur, excepté l'or, excepté le pétrole puis l'argent. Le pétrole, l'or, excepté les ressources, autrement dit. Même les énergies renouvelables. Il n'y a plus de place sur INE, on est arrivé au top. First Solar, il n'y a plus de place non plus, on est au top. Jinko Solar, lui, il ne veut pas décoller. Ce serait passé 59$. Canadian Solar, il n'y a plus d'espace non plus. C'est rendu à la résistance. Solar Edge, en phase et tout ça. Donc, il n'y a plus de place. C'est Bralax qui, lui, a fait un petit breakout ce matin, mais là, il est rendu complètement sur le top d'un couloir. À mon avis, il ne continuera pas. Puis, là, c'est le lithium. SQM qui a fait 2-3 jours, je pense que c'est Justin Trudeau qui fait des interventions pour essayer de pousser sur le lithium. Fait que, on voit, c'est comme, c'est la troisième journée de suite là, pour American Lithium. Un peu, c'était quel? Ah, c'était SQL, puis c'est SQM.
puis Sigma. Bon, ce qui est Lac. OK, Lac, il est là. Lui aussi, il est rendu à sa résistance. Donc, il y a eu un mouvement, un upswing de 2 jours dans le lithium. Bon, OK, je vais arrêter là. Même situation que pour l'autre jour, REV est en arrêt. Je le surveille pour un quick day trade. LEV, je ne l'ai pas rencontré tantôt. On va regarder. OK, oui, c'est un... Regarde, c'est comme tout le reste du marché. Il est quand même sur un, long support. Il se transige présentement. Il y a 99 000 de volume. Il est en arrêt, je le surveille. En tout cas, pour l'instant, moi, je ne le vois pas en arrêt. APE, le nouveau AMC Entertainment, là, il est bien tranquille. J'allais voir LEV, OK. LEV, je pense. Yuck. OK, oui, il était peut-être arrêté ce matin. Non, il s'est rangé depuis ce matin. Il n'était pas en arrêt. Il n'était pas en arrêt. C'est tout simplement un rebond sur son support. Mais en day trade, là, je vous conseillerais d'attendre qu'il aille. Là, il a traversé sa résistance, il a traversé sa tendance côté jardin. Mais regarde, ça fait un paquet de fois qu'il vient pour faire des inversements, puis qu'il ne les a pas faites. Fait qu'au mieux, on a une formation neutre. Moi, je dirais qu'en day trade, il vaudrait mieux attendre 6,65 avant de faire quelque chose. 5,65, pardon. Un autre gros 10 cents à la hausse. Acheté ce matin, Lac, 10h43, plus de 40,20, vendu la moitié de 40,60. Je possède encore le titre. On vient juste de... regardez ça. Il est là, puis vous voyez qu'on est pas mal sur un top, là. Puis on a vu les 3-4 plus gros. Ils ont fait. C'est tout un groupe qui a fait ça en même temps. Attends un peu, je vais tous les mettre ensemble. Donc, un peu, pas de même. SQM, SGL, oui, ça c'est une même au Canada, aux États-Unis. Ensuite, il y a eu Piémont Lithium, Lac. Les autres, ça, c'est des moins populaires. Ah, il y a eu Albert Marlboro aussi. Bon, that's it. Fait que en gros, là, c'est pas compliqué. C'est SQM, c'est Sigma, c'est Piémont, puis c'est Lac. Donc, il y a 4 titres particuliers qui ont fait les mêmes mouvements en même temps les 2 derniers jours et demi. C'est tout exactement le même signal qu'ils ont eu. Moi, sur Lac, j'irais d'un autre 25 %. Voilà. Vendu la moitié là. Ouais, moi, je profiterais du peu qu'il y a là-dedans. Tu sais, c'est 10 %, c'est 4 piastres. OK? 40 cents, c'est 1 %. Ça fait que c'est pas grand-chose, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Excusez, j'ai le temps de mon micro. Alors, on fait une petite pause. Vous cherchez la solution pour interagir facilement avec vos fans, vos clients, vos employés, vos élèves ou tout simplement pour offrir un spectacle interactif à un large public? Reflex est la nouvelle plateforme de diffusion conçue pour rassembler et interagir avec de grands auditoires. Quand les autres plateformes de vidéoconférence atteignent leurs limites, Reflex explose en possibilités.
Reflex, c'est un véritable studio de télévision virtuelle dans un simple ordinateur. S'intégrant à n'importe quel mélangeur vidéo, elle offre la possibilité de rythmer vos échanges pendant la diffusion, allant jusqu'à 8 webcams à la fois. Avec sa technologie unique brevetée à très faible latence, Reflex donne la possibilité à n'importe qui de joindre la diffusion et d'interagir sans délai avec une qualité incomparable sur le web. Avec son système de modération, elle vous donne le plein contrôle sur chacun des participants et permet aux spectateurs de devenir acteurs. Elle s'intègre à l'environnement de production vidéo de votre choix et vous permet de travailler en solo ou en équipe, quel que soit l'endroit où chacun se trouve. De nombreuses fonctionnalités d'interaction avec le public sont intégrées dans la console. Vous pouvez vous faire poser des questions, faire des sondages, partager des résultats et même vendre des articles en direct. Elle offre aussi des outils pour afficher vos contenus afin d'enrichir votre diffusion. Aucun logiciel ou application à télécharger et notre système hautement sécuritaire vous offre une paix d'esprit. Vous pouvez intégrer Reflex à votre site et les gens se joignent en un seul clic. La diffusion est possible sur toutes les plateformes publiques comme YouTube et Facebook ou sur votre canal privé. Influenceurs, entreprises et grands diffuseurs, interagissez comme jamais grâce à Reflex. La nouvelle façon de créer le rendez-vous. Bon retour, je m'excuse Michel, j'ai fait l'erreur, c'était pas LEV, c'était REV, c'est bizarre, c'est parce que les prix correspondaient en plus. Acheter 106,40, acheter 1000 je suppose, parce que 100-0, ça doit être 1000. 6,40 vendu 500, 6,70, c'est à peu près la même affaire. Donc vous l'avez acheté là en descendant ou en remontant quand il a réouvert, un des, c'est-à-dire 6,40 c'est là. Donc, soit là ou soit là. Attends un peu, je vais enlever ça, là. Bon. C'était soit là, soit là, soit là. Vendu 500, 670, c'est correct, en remontant. Oui. Donc, c'était 30 cents. Vise 7,30. Hop, on ne l'a pas obtenu. Puis là, on est revenu ici. Mettons qu'on va regarder ça, c'est un petit peu plus long. Bon, c'est comme, moi je le vois à la baisse là, mais je pense qu'il va continuer à la baisse. Moi j'étais toi, je fermerai ça tout de suite là. Ça presse. Il est 6,40, puis regarde, il s'en va, il est vraiment tout étarqué par en bas, cycle baissier, dans une tendance baissière, une tendance accélérée aussi en plus. Moi je la fermerai cette position là. En day trade là, ouais. Ça, c'était le trade qu'on a fait pendant le. Je ne me souviens plus c'était quand. C'était hier matin. Ça fait qu'en tout cas, pour l'instant, à très court terme, c'est pas prometteur du tout. Tu regardes, il est à 6,5 là. Peut-être un peu plus tard, parce que les Wall Street Bets qui jouent avec ça souvent, ça fait que ça pourrait revenir. TSCL, Claude, dit « Je considère acheter la moitié de ma position maintenant et une moitié à 7,11. » C'est quoi? SCL, Toronto, SCL. Shawcor, c'est une drôle de place. Personnellement, je trouve ça bien drôle de place parce que on est vraiment sur le top d'un couloir, mon cher ami. Yak. On est suracheté dans l'hebdomadaire, on est suracheté dans le quotidien, partout. Moi, tout m'indique que ça ira pas plus loin que ça. Je comprends pas. Je considère acheter ma position maintenant. Et moitié, c'était 11. Je comprends pas l'histoire. Ah, s'il redescend. OK. Il manque le mot vendre, je pense. De acheter la moitié maintenant. Et moitié, c'était 11 s'il redescend. Mais, ben, regarde, tu as bien plus de chances qu'il redescende qu'il monte.
Il y a l'air d'avoir de quoi de gros qui se passe là-dedans, mais la règle des couloirs, c'est pas quelque chose qu'on tu sais, 9 fois et plus sur 10, ça revire de bord rendu là. Donc, les odds sont pas pour vous dans ça, là. Zim sur New York annonce une hausse de son dividende de 65 % pour les détenteurs d'actions au 29 août. Zim. Zim Integrated Shipping. OK. Ça n'a pas beaucoup d'influence pour l'instant. Est-ce une bonne acquisition en swing? Bien, en swing, il n'y a rien qui indique que c'est une bonne acquisition en swing parce qu'il est à côté sur son support, mais il n'y a pas de tendance haussière nulle part. Il n'y a vu ni inversement de tendance, ni inversement de résistance. Pour un swing, ça commencerait juste à 54,5. Puis, OK, il y a beaucoup de volatilité là-dedans, là, parce qu'il garde niveau 48,89, puis le haut de sa résistance est à 53,5. Ça fait que, mettons, il y a à peu près 10 % dans son mouvement neutre ici. Fait que la seule affaire que je verrais là, ce serait un achat sur support, puis encore. Pourquoi mon graphique, il bouge? C'est moi qui touche ma ligne ou bien quoi? Parce que là, il est sur un support, mais il n'inverse rien, ni tendance. Même le cycle, il n'est pas rien inversé. On pourrait penser à 50 à 51,5, ce qui donne 3 %. C'est la seule affaire que je verrais, mais l'histoire des augmentations de dividendes, là, c'est loin d'être un coup de circuit, ça, quand on voit ça, là. Parce que le marché réagit pas bien à ça. Mais tu sais, qu'est-ce que ça veut dire, 65 %, tu sais? C'est comme s'il était à 10 cents, puis il montait à 16,5 cents, tu sais, le dividende. Ça peut être important, ça peut être pas important, là. C'est peut-être pas un gros dividende, je sais pas, j'en connais pas plus là-dessus, mais en swing, je vois pas le potentiel, moi, dans ça, là. Le jour qu'il y aura du potentiel, ce sera à partir de 52 piastres. HXD à Toronto, FNBBC canadien. Oui, bon point d'entrée au prochain point d'entrée. Ne détient pas le titre. Bonne continuation de ton émission. Merci, William. HXD. Est-ce que je l'ai mis ici, dans ma liste, là? Non, il faudrait que je le mette, par exemple. Mais je vais trouver ça facile ici. Donc, le HXD, ça marche sur le TX60. OK, regardez, le TX60, il est complètement flat. On va le mettre en 30 minutes. Bon. On a inversé le dernier cycle haussier. Pas la tendance, on est à côté dessus. Là. La tendance, on ne la voit pas dans le graphique intraséance parce que ça date de trop loin. Là. Mais pour le moment, HXD, ça veut dire que vous prévoyez que le TSX va rechuter. Donc, le HXU, il est copie conforme de TX60, hein, parce que HXU fonctionne avec le TX60. Donc, HXD, lui, il faudrait vraiment que HXD, le point d'entrée serait, mettons, 7,10 à 7,40. Il y aurait comme 5 % de potentiel à très court terme. Là, vous avez dit « autre ». Donc, on ne voit pas si vous avez figuré ça en quotidien ou en hebdo. Ah! Comment ça fait que je ne vois pas ma... Ah! Ils sont pas là. Il y a juste autres. Jocelyn, pour une raison ou pour une autre, là, j'ai perdu la nomenclature en haut, là, dans le bord de question. On ne peut plus marquer Canada, US, autres. On ne voit plus en haut. Ils ont disparu comme par enchantement. Je sais que tu es capable de l'arranger. OK, je check ça, Michel.
Bon, ça, vous venez rendu, ça. MX à Toronto. J'en ai 200 à 50, 75. MX met annexe. OK, on a rejoint le haut du couloir. Puis le bas de son couloir, il était à 48, là, il est rendu à 52. Il n'y a plus beaucoup d'espace là. 250 et 75, il vaut 52. Le 23 au matin, vous avez acheté ça. OK, c'était ici. D'accord, 50 et 75 le matin, c'était là. Puis il restait ça. Fait que le potentiel, vous l'avez atteint. Mais pour faire des profits, j'ai vendu la moitié ce matin à 52. J'ai mis un stop à mon prix payé, 50,75. Étant donné que ça fait deux jours et demi qui monte, parce que regarde, la moitié de la journée descendait ici, puis l'autre moitié il montait, là, ça fait deux jours et demi, puis on est rendu à la résistance. Bon, moi, j'irai avec un autre 25 % de plus dans vos poches. J'en garderai juste j'en ai 250-75. Bon, même que je vous dirais, moi, je les vendrais toutes. DRX, c'est le groupe ADF à Toronto aussi. Oh, DRX. J'ai de la misère à taper des lettres sur mon clavier tellement je me suis un petit peu étiré un muscle dans le bras droit. À essayer d'enlever mon Harley. Payé 2,20 en 2021. Oh, ça fait longtemps, ça. Un peu. DRX, on n'est pas à bonne place. DRX. Ah, ADF Group. Et je te dis que ça se transige pas gros, ce stock-là. Hein? 2500 actions aujourd'hui. En 2021, 2,20. OK, là. En 2021. Donc, c'était forcément ici, là, entre juillet et septembre. Cible à court terme, 1,65, toujours réalisable? Oui. Ben oui, c'est sûr que ça peut être réalisable. Parce que c'est pas un gros objectif, là. J'ai l'impression que vous auriez voulu écrire 2,65, là. Mais 1,65, comprenez qu'on est déjà là, quasiment, là. Il manque 5 cents. C'est parce que, tu sais, ce stock-là, c'est tellement plus actif. Il a déjà fait quelques volumes, mais de ce temps-ci, là, des 6200. Regardez le graphique en quotidien. Puis quand vous... Regarde, j'ai même un graphique en 30 minutes, ici. Regardez, en 30 minutes, c'est juste des petits points. Je ne sais pas trop quoi faire avec ça. Bien, 1,65, je croirais qu'il pourrait l'atteindre. Là, c'est pas loin. C'est dans les normes, la norme et des choses. Le problème, ça va être de revenir à 2,20. Richelieu, potentiel pour un achat. Je ne le détiens pas. Richelieu, RCH. RCH. H. Non, pas là. RCH. Il n'est pas très intéressant, là, présentement. Il a mieux performé que ça pendant longtemps. Maintenant, depuis un bout de temps, on dirait que sur la fin de la pandémie, ça ne l'a pas aidé. C'est quand même, si je ne me trompe pas, c'est des petites quincailleries, Richelieu. Fait que là, je vois, moi, de la correction dans l'air. Je vois de la correction dans l'air. On a un petit rebond. Mais comme point d'achat, regardons, il y aurait un petit swing possible là, jusqu'à la résistance, parce que là, on est sur la construction d'un support. Regarde, je vous dirais, le seul potentiel que je verrais, là, ce serait 37,55, 37,50, gros max, là, 37,50, 39,25. Ou 38,75, parce que les deux prochaines résistances sont là, mais ce serait 37,50 comme un point d'entrée. OK, ça, on l'a fait tantôt.
Ça, c'est fait. RAV, Revlon, on l'a fait. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, oh, il est tranquille, là. Bon, et là, ici, il y a une place que les Wall Street Bets pourraient se mettre dans la partouze, là. Ce serait à 6,80 dans le moment. Pour un day trade, tantôt, vous parliez d'un day trade. Le volume est assez tranquille, là, mais il y a beaucoup de résistance aussi à 6,95. Il est pas évident là, dans le moment. Il ne fait pas vraiment des bien belles formations. G7 fait une poussée avec du volume. In à 1,80. Out à 1,96. C'est-tu trop risqué? G7. OK. C'est fatigant quand j'ai pas les informations dans la barre en haut. On va pas entendre. Ah, Jocelyn, t'es un peu, j'ai pas mis mon écouteur, j'ai pas vu que tu étais là dans le green room. Jocelyn, es-tu capable de m'arranger la barre en haut, là, dans le broadcast manager? Pour day trade, swing, tout ça, c'est des... C'est ça, ils sont pas là. Ouais, ils sont là, Michel. Ben moi, je les vois pas. Ben, c'est normal, tu ne les vois pas, mais sur... Faudrait que je ferme le broadcast puis je le rouvre. Ouais, mais ça, j'ai peur. Non, ils sont là, Michel. Ben, je sais, mais tu dois beau dire ça, mais moi, je les ai pas. Ouais, mais okay, c'est normal. OK, je vois que les gens le marquent, par exemple. OK, je vois que les gens, eux autres, le voient. OK, mais je comprends pas pourquoi moi, je le vois pas. OK, c'est parfait. On retourne là-dessus. Où j'étais? G7. G-S-A-T. Oh, il y a eu un faux signal sur ça ce matin. 1,80, 1,96, c'est-tu trop risqué? Je penserais qu'on a atteint le haut du couloir. Là. Il me paraît un peu risqué pour une simple et bonne raison, c'est qu'il a failli à la tâche, puis c'est pas la première fois qu'il fait ça. Là. Il fait souvent des petits fling-fling comme ça. À quelques reprises. Puis déjà, je vais mettre ça à plus court terme. Là. On voit qu'il est sur le haut d'un couloir. Non, ça a été un gros feu de paille. Hein. Premièrement, il est revenu là, dans sa résistance. Ce serait, t'as dit 1,80? Ouais, probablement, même avant. Même avant, 1,77, 1,85, je mettrais ça. Possiblement. Mais ça a l'air d'avoir été juste un feu d'allumette, cette affaire-là. Il y avait des allumettes, puis il n'y avait pas de bois. Point d'entrée pour les banques, c'est-tu le bon moment? Ben, on va attendre qu'ils arrêtent de descendre, parce que les banques sont toutes en descente. Regarde, ils sont toutes en chute, là. Donc, pour l'instant, les banques s'en vont sur leur support. Il y a juste la Banque nationale qui a moins chuté. Regarde, la CM, elle s'en va là. La Banque nationale, elle s'est stabilisée, elle, mais regarde, elle est sur le bord de décrocher aussi, pareil comme les autres. Elle avait chuté plus ce matin. Regardez les autres, regarde la Banque royale. Tchouf! Elle a pris une méchante débâcle. On va mettre ça en 15 minutes. Regarde, ça chute en titi, les banques, depuis un petit bout de temps. Là. Tiens, regarde, on a inversé le cycle ici, là, puis... Il y a encore un peu de place. Non, c'est trop tôt. Je pense que c'est trop tôt pour les banques. AERC semble avoir atteint son support de 4 piastres. Il y en a un paquet d'affaires qui ont atteint des supports. En effet. Mais encore, il faudrait-il qu'il le quitte, le support. Là, la tendance était là, qui a été suivie d'un mouvement neutre. Puis là, on a refait une couple de cycles haussiers encore. Puis aujourd'hui, quand on regarde sa direction, c'est pas tout à fait assez. On a vraiment 5 minutes, quelque chose de même. Bon, ça, on le voit. Donc, il y a eu l'air de... Il a même fait un petit bout aujourd'hui. Là, il a fait 4 pièces 45, mais là, il est en redescente.
Regarde, le problème, c'est que, bon, si on l'achète là, 4,15, 4,20, là, en bas de 3,85, c'est un point de sortie parce que là, ça irait mal, là. OK? Ça veut dire que là, il s'en irait vers les 1,75$. Donc, c'est AeroClean Technology. Je ne sais pas ce que c'est. Puis, mais... écoute, s'il n'est pas bien allé, il va se rendre à 7,5. Donc, essayer de le trader entre 4,15 et 4,35, c'est un peu téméraire. Il n'est pas si beau que ça. Il ne fait pas grand volume. Regarde, là, quand il a fait des 44 millions, OK? Puis là, il fait 275 000, fait que il a pas l'air d'avoir la cote, là, présentement. J'essaierais d'être un peu plus patient sur le support. On voit pas grand-chose dans le graphique, on peut pas voir ce mouvement-là ici, parce que à cause de tous les écarts de prix qu'il y a dedans, là, c'est quasiment invisible. Mais ce qu'on voit, c'est que le volume n'est pas fort, la direction n'est pas claire, puis là, il est en train de redescendre. C'est vrai que ce matin, ça avait l'air bien intéressant. Mais du coup, là, il ne l'est plus vraiment. Ça fait que moi, je dirais, pour user de prudence, je me tiendrai à côté jusqu'à temps qu'il stabilise. S'il arrête de descendre, qu'il stabilise en bas de 4,45, qu'il décollerait à 4,5$. DND à Toronto, nouvelle sur le titre. DND. Diane Durham Limited. OK. Pour une nouvelle, il ne se passe pas grand-chose. Hein? C'est une grosse tendance baissière. Il n'y a pas d'inversement de rien. C'est un support qui même pas sur le bas de son couloir encore. Il ne m'apparaît pas super intéressant. Son seul côté positif, c'est que, bon, il rebondit un petit peu, puis il est survendu pour remonter jusqu'à 19. Puis là, il est à 16,80. Donc, il y a à peu près une pièce de potentiel, mais disons que comme il est sur le top d'un couloir, puis que dans les prochaines minutes, il va revenir à 16, au moins 16,60, 16,50, et titi, que c'est pas simple, ça, et ça, là. Ouais. Bon, regarde, je mettrai votre prix d'entrée, là, au minimum 17,25. Que je verrai ça, moi. Puis là, vous dites, sur le titre, pour association avec un partenaire, si tu peux analyser le titre, je ne l'ai pas. Regardez, pour une position à court terme, 2,80, vente 3,30. Hein? Et pourtant, j'ai le même symbole, DND à Toronto, mais les prix ne correspondent pas du tout. Je pense que je pense que vous avez une erreur dans votre symbole. Paul. Parce que ça ne fit pas. Regarde, c'est bien DND que j'ai ici à Toronto, là. Puis vous aussi, c'est DND à Toronto qui est écrit dans la barre de questions au départ. Ça fait que vous avez une erreur sur votre symbole. Est-ce aujourd'hui que Biden va faire une mise à jour économique? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas entendu parler de ça. Je n'ai pas ça dans mon calendrier. J'ai rien à propos de Biden. Je sais que vendredi à 10h, c'est supposé d'être Jerome Powell qui va parler de sa politique économique. On fait une petite pause. Trader Plus, l'instrument du day trader. 50 cotes qui clignotent en même temps. Autant de listes que vous voulez. Graphiques à la seconde. De 3 à 30 graphiques. Des alarmes à volonté. Des listes de cotes préparées. Des modèles graphiques préparés. Prêt à faire feu. Achetez, vendez avec Trader Plus.
Sorry, my bad. J'ai la même chose okay. que toi. Oui, c'est ça. La même chose que moi. Bon, j'étais en conversation avec Jocelyn qui, maintenant, quand on a le temps, quand c'est possible, bien, on s'assiste avec le Green Room, ce qui me permet d'avoir Jocelyn et moi. Allô? Et puis, là, ben ici, c'est moi tout seul. Puis ici, c'est lui tout seul. Puis là, c'est moi avec mon ordi. Là, c'est mon ordi sans moi. Puis là, ben on a ah, j'ai pas, il y a quelque chose qui marche pas avec ta mortaise. Je suis pas capable d'avoir toi et ton écran. J'avais montré ça tantôt à Carl. Il y a un petit rouleau qui roule. Là. Regarde, on le voit même. Moi, je le vois dans mon rendu. Puis ça fonctionne pas. Va donc voir Carl pour lui dire de venir voir ça dans ma machine. Pour voir, pour comprendre pourquoi ça arrive, ça, on dirait un petit bug. Parce que là, ici, on okay. se voit tous les deux avec mon écran. Puis, mais toi puis ton écran, ça ne fonctionne pas, ton écran. Fait qu'il y a quelque chose qui doit être de ton côté là-dedans. OK, je vais demander à Carl de vérifier. C'est ça, dis qu'il vient de voir dans mon OBS, là, toi, ton écran avec ta mortaise, on voit ta mortaise, mais ton ordinateur, il tourne en rond. OK, je reviens à mes moutons. Salut Michel et Con, à 3 piastres il y a quelques mois. Je me suis fait prendre avec et il est en hausse présentement. Est-ce que je devrais prendre ma perte ou attendre? Tradinette. OK, Econ. A-C-O-N. A-C-O-N. Ah, oh, ça, c'est à Toronto, ça, hein? Aux USA? Ah, OK. A-C-O-N à 3 piastres. Ah, OK. C'est à Clarion. Ah, c'est pas le même symbole qu'au Canada? Hein? Parce qu'au Canada, A-C-O-N. Non, ça, c'est le nom de la compagnie. Ah, OK. A-C-O-N. Bon. Ça fait que, pour l'instant, on dirait la chevelure de Bart Simpson. Il fait des envolées, puis il redescend tout le temps. Il est très rock'n'roll. Je vais y corriger ses plus gros volumes, juste pour voir un peu l'amplitude des volumes actuels. Tiens, je vais tout redescendre ça ici un petit peu plus bas. Je vais y laisser gros, mais pas trop gros pour qu'on puisse voir le différentiel avec les autres. Bon. OK, tiens, puis ces deux-là aussi. Bon. OK, son volume n'est pas pire. Puis il fait pareil en hors séance. Hein. Il est assez incohérent. Il est très incohérent pour un titre qui est capable de faire entre 500 000 et 1 million de volumes par jour. Il fait des montées de fièvre. Là, puis, mais après ça, il rechute tout le temps. Le côté positif, c'est que ces creux sont tous plus hauts. Fait qu'on la ligne, on a un couloir haussier en intra-séance, on a un couloir haussier à très, très court terme dans le graphique quotidien aussi. Mais en fait, on a une formation triangulaire neutre. Ça fait que ce qui va défendre les chances de rentrer dans votre argent, il y en a toujours des chances. Là. C'était 3 piastres hein, que vous êtes rentré là-dedans, ouais, à 3 piastres. Ça fait que c'est clair, pour se rendre à 3 piastres, il va falloir qu'il passe là. Étant donné qu'elle a l'air d'avoir connu ses pires temps, malgré qu'elle fait souvent des faux signaux, là, pour l'instant, son activité est quand même assez régulière. C'est comme si... Je connais pas la compagnie, fait que je sais pas ce qui se passe là-dedans, mais on dirait que... Je le t'offrais encore un peu... merci, Yvan. Merci. Je ne sais pas, c'est parce que moi, pour les avoir, probablement, ils les ont changés, mais en tout cas, moi, je ne sais pas pourquoi. Moi, je ne les vois pas, mais je vais poser la question tantôt à Carl. Je suppose que je sais ça, parce qu'on a fait... Pour partir de l'émission, ça a été compliqué. Il y a eu bien des settings à changer. Fait que ça a l'air que c'est juste moi. GM, bon pour entrer en swing. GM, il est à son sommet. Sommet. GM. Oups.
GM. Donc, à très court terme, là, on est sur un sommet de plusieurs jours. Et puis, je dirais que pour rentrer dans GM, regarde, il y aura de la place lorsqu'il traversera ça. Moi, je dirais plutôt que le point d'entrée, ce serait comme 40 et 75. Avant, on a autant de chances de revenir sur le support que traverser la résistance. Ça fait que il s'en revient survendu, mais dans le mouvement neutre, il a fait un mouvement complet aller-retour ici dedans, à l'intérieur du mouvement neutre, qui a fait ça. Ça fait que stochastique, il est bien bon d'avoir vu un cycle là-dedans, là, mais le cycle, il vaut pas la peine. Ça fait que moi, je mettrais ça 40 et demi, tiens. Ouais, 40 pièces et demi. Bonjour Michel, acheter CCO 1000 à 30, attendre un peu ou vendre la moitié? Ça doit être vendre la moitié. Attendez un peu, je vais aller voir ça tout de suite, là. Parce qu'il était... c'est pas là, attends un peu, c'est l'uranium. Bon, tout le secteur de l'uranium, il est à côté à sa résistance. Fait que moi, j'irais tout de suite, j'hésiterais pas. Regarde, on est vraiment sur un top. Ça pourra continuer, mais un tien vaut mieux que deux, tu l'auras. Moi, j'irai pour la moitié de la vente maintenant. Si vous voulez analyser FHYD à Vancouver. FHYD. Symbole à quatre lettres? Ben oui. Oh, OK. Bon, le titre est sur le top d'un couloir. C'est sa troisième journée et demie de hausse parce qu'il a descendu la première, remonté avant la fin. Puis après ça, une, deux, trois. On est en haut du couloir. C'est pas vraiment la bonne place pour l'acheter. C'est plutôt la place pour prendre un profit. En plus, tous les couloirs mènent là. Fait que, regarde, on est dans un couloir haussier, dans un gros couloir haussier, mais lui, il est à bout de souffle, puis lui, il est à bout de souffle. Non, ça, c'est pas opportun. Tu sais, si vous aviez acheté là, plus proche du couloir d'en bas, genre hier, à 3,35, il y aurait eu un certain bon sens. Mais à 3,80 ou 3,85 qui est là, moi, je ne le recommanderais pas. Ah, DGI, analyse rapide. OK. Comment rapide? Je vais dire comme le gars dans l'annonce, comment il s'appelle? Joe Ferrari à Laval des Rapides. Qui voulait l'Internet rapide. ADG. J'ai mal tapé. ADGI. D'agiothérapeutique. Rapidement, il se promène comme un ver de terre, là, mais on va enlever un peu de données ici parce que là, il y avait déjà. Écoute, il est monté à 75$ en novembre. Ça fait qu'ils se sont enfargés quelque part, certains. Bon, depuis quelques semaines, en tout cas depuis deux mois, là, il a l'air à vouloir se préparer à quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il va revenir à 75, mais ça veut dire quand même que la compagnie peut avoir une certaine valeur. Donc là, à très court terme, très, très risqué parce qu'on est à la résistance. Donc, il faudrait absolument qu'il fasse une bonne pause là, d'une coupe de jours en bas de 5$. Puis le prix d'entrée, ce serait 5$ et des poussières. Un placement pour PGM, c'est-tu un risque, M. Coupal? Un placement pour PGM. Oups. C'est sur New York, ça, c'est pas bon, ça. PGM. Voyons. Là. PGM. Il existe aux États-Unis, là, mais il fait dur. Ah, c'est Pure Gold. C'est un risque. Oui. Tu sais, regarde, c'est un risque. Il y a eu une bonne lancée en 2020, là, mais depuis le début de 2021, ça va pas très bien.
Il valait 3$, puis là, il vaut 11 cents. Ça fait que... Puis regardez, le temps est aussi longtemps qu'il minimum, regarde, au moins, il donne une chance d'inverser quelque chose. Regarde, ici, il y aurait eu un 22 cents à 27 cents, là, de potentiel. Puis après ça, patave, tu vois, il est retombé. Ça fait que ici, le point d'entrée minimum serait 14 cents, là. Désolé, Michel, c'est moi qui ai fait erreur. J'ai été donné le prix de HT Toronto. Je ne sais pas, prix de DND. C'est moi qui étais dans les patates. OK. OK. En tout cas, je m'en souviens plus trop, là. Pierre, félicitations à ton émission très intéressante de trading comme avant au début. Bien, merci, Pierre. HD Bourse US, c'est Home Depot. Home Depot. HD. Home Depot. Bon, ça devait être des résultats financiers, je suppose, Home Depot, parce que supposément, dans la pandémie, le monde ça achetait bien du stock. Mais là, pour l'instant, il est vraiment plate. Bon point d'entrée, prochain point d'entrée. Regarde, il est comme tout le marché au complet. Il essaye de se créer un support. Il était en chute ce matin. Il a rebondi après. Il est en train de redescendre. Bof, puis il est cher à part de ça. Regarde, là, pour un minimum, là, regarde, ce serait comme 311 et demi. Ouais, ce serait 311 à 322 à peu près. Là, il y aurait comme 11$ sur 300$. Le potentiel n'est pas bien gros. Mais dans le moment, je ne trouve pas que son support semble assez solide. Moi, j'hésiterais là, d'acheter ça avant 311$. Puis ce ne serait pas pour une grosse affaire. Le marché descend. Oui, le marché redescend. C'est ce que j'ai dit toute la semaine, depuis vendredi, puis lundi, j'ai dit, OK, on va attendre encore à mardi, puis mardi, on va attendre encore à mercredi. Ça se solidifie parce qu'on est rendu maintenant à la deuxième journée de côté. Mais moi, ça m'énerve de voir qu'il remarche, il replante tout le temps. Là. Les ressources, regarde, le pétrole, il fait des fling-fling, mais le gaz est à zéro, le pétrole est à zéro, le pétrolier est à zéro. On va mettre ça en une minute. J'avais pas 250 périodes. Bon. Donc, l'argent est en baisse, l'or est en baisse, les orifères sont à zéro. Pas en baisse, mais sont à zéro. L'or et les orifères. Les mines sont revenues à zéro. Tu vois, il n'y a rien qui tient. On a eu un gros paquet de feux de paille ce matin qui sont bien, bien payants en day trading là, parce que ça bouge plusieurs fois par semaine. Fait que regardez ça, là. Ellie qui est parti en baisse, qui a rebondi, NIO sont tous en train de replanter. Là. Bon, Ballard aussi a fini sa journée. Plug, il devrait rester en hausse, ceux-là, mais ils redescendent. Là. American Airlines est en rechute, Southwest en rechute. Les Recreational qui ont fait une poussée ce matin que je vais vous montrer ici, OK, sur le support. Qui n'a pas l'air bien solide. Bon, puis il n'y a pas beaucoup d'espace non plus. Puis ils sont pas hot, là, pas en tout. Je te dis, non, mais je dis, garde minimum de position sur les supports présentement. J'ai acheté 1000 PTON, Peloton. Ici, vers midi à 22. Vers midi 22. Midi 22. OK. Midi 22. Ah, bien, je l'ai dans ma liste ici. Il est là. Midi 22. OK, il n'y avait pas matière là, d'acheter ça à midi 22, là, parce qu'il fait, premièrement, il ne faisait rien du tout. Puis Peloton, c'était quoi? J'ai oublié la nouvelle, parce que pas je me mélange.
dire des âneries. Je vais aller voir, c'est pas long. Peloton. Bon. Ah oui, c'est le partenariat avec Amazon là, qui veut vendre d'élargir sa clientèle et vendre plus de produits aux États-Unis. Puis le directeur commercial a dit qu'il se tournerait vers d'autres détaillants. Ben oui, oui, c'est ça. Regarde, il est sur Amazon, puis il va aller sur Alibaba, puis il va aller ici et là. Ils vont essayer de te mettre sur toutes les plateformes. Ben, c'est ça. Oups! J'avais pas le bon. C'est lui, Peloton. Donc, Peloton, pour l'instant, il n'a pas l'air à vouloir aller trop loin. Il est complètement neutre en dessous de sa résistance. On va regarder dans son graphique quotidien. Hey boy! OK. On a une méchante grosse résistance, là. Si c'est vrai, qu'est-ce qu'ils disent, là, qu'ils vont se mettre à vendre bien plus de produits encore aux États-Unis, là, ben, ce que le directeur commercial peut dire, on s'en fout pas mal. Entre vous puis moi, par Barataver, là, OK, lui, il est payé pour dire ça. Ça fait que, en attendant, il aurait pu avoir un peu de day trade à faire ce matin là-dessus, mais cette partie-là, c'est faite en pré-ouverture. Puis là, ben, il y a plutôt la partie sur le côté slow-mo. Moi, je le laisserais venir s'installer à l'entour de 15$. Puis à un moment donné, là, regarde, quand il partira par là, à l'extérieur de sa tendance baissière, je serai beaucoup plus sûr. La question était sur en day trade ou en peloton à 22$, vendu 300 à 13,38$. 13,30, 13,38 et un autre 300 à 13,44. Le reste, débarrassez-donc tout ça complet, tant qu'à faire, Billy. C'est juste des petites pinottes que vous avez faites là. À la bourse, avec ton expérience de chasse, comment sortir et solutionner un cycle inversé? Exemple, trop affamé et impatience d'attendre le bon moment. Donc, épuiser ses balles et ou ses flèches. Quand le gibier passe enfin à ses proches, boucle de survie. c'est pas évident. On fait une petite pause, on va réfléchir à ça. On prend la petite courte pause, puis on revient pour 5 minutes. Laissez-nous vous guider pour analyser la bourse et prendre vos décisions. Les analystes de Guru.tv feront tout le travail pour vous. De minute en minute, nous classons les titres selon leur situation technique. Nous révélons les signaux d'achat et de vente. Nous publions des recherches poussées et nous prodiguons des conseils en temps réel. Ça commence avant l'ouverture et ça se poursuit jusqu'à la fermeture des bourses. Profitez de chaque cycle boursier avec Guru.tv. Bon, fait que Claude J, à lire votre question, je vois que, bon, il semble dire que, bon, c'est comme si vous aviez de la difficulté, puis vous demandiez comment vous en sortir, mais avec les mots que vous avez utilisés, c'était pas évident, même si vous avez utilisé des choses que je connais bien, mais moi, je peux vous dire, c'est qu'à la chasse, que ce soit avec des balles, avec une carabine ou avec un arc, on ne tire que lorsqu'on est sûr de notre coup, OK? Que le gibier est à portée, puis qu'il est stable, qu'il est bien placé, puis que notre shot est safe, puis qu'on sait où ce qui va aboutir notre balle, pas tard. Regarde, dans toute ma carrière, j'ai à peu près 3 chevreuils que j'ai pas retrouvés, puis... En 55 ans, je vous dis que j'en ai récolté un paquet de chevreuils. Parce qu'il faut être extrêmement rigoureux à la chasse, parce qu'à la chasse, c'est un peu comme à la bourse. Les conditions ne sont pas là, mais on s'essaye. Les gens, on voit ça très couramment dans les nouveaux chasseurs, ils sont bien nerveux.
Puis quand ils voient un gibier, premièrement, ils en tremblent, ils ont le buck fever. Puis là, le gibier, il bouge, ils vont tirer pareil. Le gibier est trop loin, il va tirer pareil. Le gibier, il n'est pas dans le bon angle, puis il va tirer pareil. La visibilité n'est pas bonne, il va tirer pareil. Puis même qu'on en voit moins de ça, mais il y en a encore. Parce que j'ai plus d'éducation qui se fait maintenant, non seulement avec les cours de sécurité et maniement des armes à feu qu'on est obligé de suivre, mais c'était très, très, très fréquent avant plus. Mais encore aujourd'hui, de temps en temps, on entend le matin de voiture, t'entends « Pow! 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 » Hey, tabarnane! Comment tu fais pour tirer à cette vitesse-là? Il n'y a jamais le temps de se replacer pour tirer un autre coup. Puis si tu as manqué ta bête au premier coup, bien, à court, la bête, là! Puis là, tu penses que tu vas le pogner avec la deuxième, la troisième, la quatrième, ben, à 50 balles. Espère que puis ça va être une vraie passoire, cette affaire-là. Premièrement, tu ne toucheras pas. Moi, j'ai vu un gars, un chasseur que j'avais pris de fin de semaine, là, quand j'étais seul sur mon territoire, puis j'invitais des gens, puis je servais de guide. Puis j'ai vu un gars que j'ai emmené, puis le gars supposément, écoute, il y a une carabine à 2 000 $ dans les mains de la patente, supposément un grand chasseur, on est arrivé dans un champ, puis là, direct en avant de nous autres, il y a un chevreuil, un beau mâle, il sort de la clôture, puis là, il saute par-dessus la clôture, puis il est devant nous autres, à peu près à 200 pieds. OK, si tu as le temps de t'installer, de te mettre à genoux, puis de t'accoter, puis de placer une balle comme vous, le gars, quand il a levé sa carabine, le chevreuil a parti à courir, puis vers l'autre bout du champ. Puis il a commencé à tirer dessus, il était à peu près à 150 verges, puis le chevreuil, il courait, puis il a tiré 3 coups avant que le chevreuil... Puis moi, j'y criais, « Hey, arrête de tirer! Arrête de tirer! » J'y criais des oreilles, « Arrête de tirer! » Pas tout le gars, ça arrive, les affaires de même. T'sais. Fait que le gars, il était barré dans mon lit. J'ai dit, non, toi, tu viens pas chasser. J'ai dit, non, tu t'en vas chez vous. Il dit, tu vas me rembourser. Tiens, là, ton argent. Là, ton argent. Crisse-moi ton camp. Excuse-moi, là. Mais moi, là, j'ai des gens de même, j'en veux pas dans ma forêt. C'est pas trop dangereux. Il est fou, il y en a partout. Ça fait que... Mais c'est ça. Fait que... oui, regardez, le marché est revenu à zéro. On regarde notre support. Fait que regardez, c'est ça qu'on a comme support. Fait que je dis, regarde, au mieux, là. C'est pas trop de positions, puis pas plus que des demi-positions, parce que le marché m'énerve, OK, que c'est pas plus fort que ça, ce rebond-là, là. Et crème pof. Je te dis, là, regarde, on peut faire des petits ronds de même, là, partout. Ça fait que faut juste mettre la pédale douce, OK? Minimum, là, si ça vous démange vraiment, là, OK? Des petites positions sur des supports, des quarts de position, puis des demi-positions, mais pas 8-10, là, tu sais, wow! Non, faut se garder une petite gêne. Si le marché pourrait être bon, il va repartir solide. Je ne sais pas comment ça se passe après-midi, si c'est moi ou c'est Jocelyn, on est supposé être là à 14h, puis il faut que je vous laisse dès maintenant parce qu'on a des tests à faire avec le multi-room maintenant. Ça n'a pas donné, ça a brossé un peu, Jocelyn, à moins que tu aies trouvé quelque chose à la dernière minute, là. On n'a pas eu l'occasion de jaser ben. Tiens. T'as-tu vu quelque chose? Je rallume mon micro. Non, il n'y a pas grand-chose qui a bougé. Les choses sont restées pas mal dans leur mouvement qu'ils avaient déjà, là. Donc, se sont stabilisés. À part des titres que je t'ai envoyés tantôt, ENVX, tout ça, là. Il n'y a rien d'autre là, que j'ai trouvé. Là, j'ai fait le tour, puis nada, rien du tout. Bien, on voit que le marché, on est sur un rebond. Ça devrait continuer plus fort que ça, mais on dirait que tout est à bout de souffle déjà. Ça fait qu'on va se donner une petite chance, voir que ça va décoller. Je ne sais pas si c'est toi ou ça va être moi qui va être là après-midi. On va aller faire notre test. Là. Fait que, hey, salut, bonne journée.
Et bonne journée tout le monde. On vous retrouve vers 14h. Le gars à droite ou le gars à gauche, on ne sait pas encore. Qui dit vrai? Ah oui. Ah, tu sais, il y a Paul en fin de sac qui dit « Hey Michel, tu vas voir ça hors onde. » Non, je le vois là. « Je suis sûr que tu es de bonne humeur aujourd'hui. J'ai adoré l'émission. Un peu d'humour et de bons conseils. Je te souhaite une belle journée. » J'essaie de faire ça tous les jours. Trouves-tu, Michel, que ça lui fait une auréole au-dessus de la tête de Jocelyn? Ben oui! Saint-Jocelyn! Saint-Jocelyn, ben oui! Regarde, c'est Jocelyn, il dit, c'est comme, « OK, mes chers frères, bienvenue dans le ciel boursier. » T'es muté. T'es muté, Jocelyn, je t'entends pas. Oh, et voilà. Je disais, eh bien, mes frères, nous sommes réunis aujourd'hui, ensemble. il te manque juste un petit collet blanc, tu sais. Oui, comme ça, là. Oui, c'est ça, tu sais, monsieur le curé. Ben oui, en plus... En plus, il y a sa cloche pour aller à la messe. Oui, ma petite cloche. Dominus, il y a le mystère de la voix. Ça, c'est ta cloche quand tu étais enfant de messe, ça, enfant de cœur. Non, ça, c'est quand j'étais à l'hôpital, malheureusement, 3 jours de temps. Oh. Écoute, c'est pas la même chose. Il faut qu'on ferme le show, on reviendra là-dessus. Comment ça se fait que tu aies une cloche à l'hôpital? Bon après-midi, tout le monde.